Le bouddhisme, le noble sentier des huit pratiques justes, c'est dans ce livre de Thich Nhat Hanh, le cœur des enseignements du Bouddha, que j'ai trouvé la meilleure, la plus limpide, je dirais, explication sur ce noble chemin des huit pratiques justes, qui sont la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste, l'effort juste, la pleine conscience juste et la concentration juste. Thich Nhat Hanh reprend ces huit pratiques. La vue juste, c'est avoir foi et confiance, savoir qu'il est possible de transformer la souffrance. Là, il y a des perceptions, il y a de l'ignorance. Une phrase du Bouddha. Notre souffrance provient principalement de nos perceptions erronées. Tant que nous ne verrons pas clairement les choses, nos perceptions erronées nous empêcheront d'accéder à la vue juste. La vue juste, c'est reconnaître les bonnes graines et faire en sorte qu'elles soient arrosées. Comme vous l'avez compris, je ne vous lis pas entièrement les explications de Thich Nhat Hanh, mais simplement ce que j'en ai souligné en vous invitant naturellement à lire ce livre. La vue juste n'est pas une idéologie, un système ni même un chemin. C'est la vision profonde que nous avons de la réalité de la vie. La pensée juste. Lorsque la vue juste est solide en nous, nous accédons à la pensée juste. Nous avons besoin de vue juste à la base de notre pensée. Et c'est en nous entraînant à la pensée juste que notre vue juste s'améliorera. Nos pensées sont en majeure partie inutiles. Le Bouddha nous a offert de nombreuses méthodes pour nous aider à transformer les pensées perturbatrices. Le plus facile pour empêcher les pensées néfastes de surgir, c'est de vivre dans un environnement sain. La pleine conscience juste. Thich Nhat Hanh note que traditionnellement, la pleine conscience juste est la septième sur le chemin des huit pratiques, mais elle est présentée en troisième position pour souligner son importance. La pleine conscience juste est l'énergie qui nous ramène au moment présent. Oui, vous voyez qu'il y a un très grand développement. Il y a de très beaux aspects dans notre conscience, comme la foi, l'humilité, le respect de soi, le non-désir, la non-colère, la non-ignorance, la persévérance, le calme du corps et de l'esprit, le souci des autres, l'équanimité, la non-violence. Les formations mentales négatives sont semblables à une pelote de ficelle tout enchevêtrée. En essayant de démêler les nœuds, on ne fait que l'enrouler autour de soi-même, jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Le Bouddha explique que les angoisses et les difficultés proviennent toutes de notre incapacité à regarder le vrai visage ou le signe véritable des choses, ce qui veut dire que l'on voit leur apparence, mais que l'on ne reconnaît pas leur nature impermanente et interdépendante. La parole juste. Je suis déterminé à ne répandre aucune information dont l'authenticité ne serait pas établie et à ne pas critiquer ni condamner ce dont je ne suis pas certain. La parole juste, ces quatre aspects, dire la vérité, ne pas avoir la langue fourchue, on ne dit pas quelque chose à quelqu'un et le contraire à quelqu'un d'autre, ne pas prononcer de paroles dures et blessantes, on s'abstient de crier
ou de dénigrer. Ne pas exagérer ni embellir, on ne dramatise pas les choses, on ne cherche pas à les embellir, à les empirer ou à les exagérer d'une quelconque manière. Nous avons perdu la capacité de dire les choses calmement, on s'énerve trop facilement. Si vous souffrez et que personne n'a su écouter vos souffrances, votre souffrance restera là. Les cinéastes, les musiciens et les écrivains ont besoin de pratiquer la parole juste pour aider notre société à retrouver la direction de la paix, de la joie et de la foi en l'avenir. Si vous avez un travail où il vous est impossible de dire la vérité, peut-être devrez-vous en changer pour pratiquer la justice sociale et la non-exploitation, il faut utiliser la parole juste. L'action juste, la pratique de la non-violence envers soi-même et autrui. Nous devons apprendre à vivre simplement, sans prendre plus que notre part. Le rapprochement de deux corps ne peut suffire à soulager la solitude. S'il n'y a pas aussi une bonne communication de la compréhension et de la bonté aimante. L'effort juste. Dans certaines traductions, vous pouvez trouver la diligence juste. Empêcher les graines négatives de se manifester. Aider les graines négatives qui se sont déjà manifestées à retourner dans notre conscience du tréfonds. Arroser les graines positives. Nourrir les graines positives qui se sont déjà manifestées. C'est ce qu'on appelle le quadruple effort juste. Les graines négatives désignent les graines qui ne mènent pas à la libération ou sur le chemin. Si vous éprouvez de la joie et de la paix, quand vous inspirez et expirez, c'est l'effort juste. La concentration juste. C'est cultiver l'esprit concentré sur un seul point. Le caractère chinois pour concentration signifie maintenir l'égalité, ni trop haut, ni trop bas, ni trop excité, ni trop apathique. Il existe un autre caractère chinois pour désigner la concentration, qui signifie la demeure de l'esprit véritable. Deux sortes de concentration, l'active, où l'esprit s'établit dans ce qui se passe dans l'instant présent, même si cela change, et la concentration sélective, c'est choisir un objet et s'y maintenir. La concentration juste est normalement en 8e position. Mais ici, Thich Nhat Hanh l'a abordé avant. Les moyens d'existence juste. Pour pratiquer les moyens d'existence juste, vous devez trouver un moyen de gagner votre vie qui ne vous oblige pas à transgresser vos idéaux d'amour et de compassion. Nous essayons d'exercer un métier qui soit bénéfique aux hommes, aux animaux, aux plantes et à la terre, ou en tout cas le moins néfaste possible. Si notre travail risque de nuire à la vie, nous devons en changer. Nous devrions changer. Nous devrions. Il est très important d'être conscient des effets à court terme et à long terme de nos moyens de subsistance. Il est difficile pour les agriculteurs de pratiquer les moyens d'existence justes. Vivons-nous de façon à encourager chacun à être paisible et heureux et à avoir un travail qui va dans la direction de la paix et du bonheur? Beaucoup de gens deviennent riches par des moyens d'existence préjudiciables, ce qui ne les empêche pas de faire des donations importantes en faveur de leur temple ou de leur église. Ces donations proviennent de sentiments de peur ou de culpabilité, et non du désir d'apporter du bonheur aux autres et d'apaiser leurs souffrances. Les 8 pratiques du noble sentier, chaque élément du chemin est contenu dans les 7 autres.
ce n'était donc pas une lecture globale, c'était mon résumé, ma vue de ces enseignements de Thich Nhat Hanh. Cela vous a peut-être aidé. Thich Nhat Hanh est reparti au Vietnam. Le moine bouddhiste y était né le 11 octobre 1926. C'est une chance pour la France d'avoir reçu sa visite durant quelques décennies. À chaque instant, gardez cette question présente à l'esprit. Que dois-je faire de façon à n'avoir aucun regret au moment de mourir? 4, 3, 2, 1, pause, terre, oh. 1, 2, 3, 4, la chaîne YouTube. À Cahors, 42 inscriptions au monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chat nous le permet ou alors. Pigeonnier lotois. À Saint-Valentin, essayez de trouver un peu d'originalité. En 2012, je m'étais dit que chaque année je publierais un livre de ce genre avec mes photos de l'année. Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton, mon cul, alors